Comment calculer la transformée en Z d'un signal échantillonné défini par une suite numérique SK? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers la correction d'un exercice. Alors, soit donc une période d'échantillonnage T et un signal échantillonné S étoile de T égale SK égale S de KT défini par SK égale 1 pour K compris entre 0 et K0 et SK égale 0 ailleurs. On demande de calculer la transformée en Z de ce signal. Alors, ce signal, c'est ce qu'on appelle le peigne de Dirac. Nous avons des impulsions unitaires entre les instants 0 et K0 fois la période d'échantillonnage. Et partout ailleurs, c'est le signal nul. Alors, pour résoudre cet exercice, on aura tout d'abord besoin de la formule définition de la transformée en Z d'un signal échantillonné, qui est la suivante. Ici, on rappelle notre signal. Donc, dans ce cas-là, ça sera S de Z égale la somme K allant de 0 à K0 de SK fois Z puissance moins K plus la somme K allant de K0 plus 1 jusqu'à l'infini de SK fois Z puissance moins K. Alors, entre 0 et K0, on a vu que le SK c'est égal à 1. Par contre, à partir de l'instant discret K0 plus 1, le SK, il est égal à 0. Et du coup, les S de Z, ça sera égal à somme K allant de 0 à K0 de Z puissance moins K. Alors, ce Z puissance moins K, c'est en fait la forme d'une suite géométrique. Donc, je peux l'écrire autrement. Donc, le Z puissance moins K, c'est tout simplement Z puissance moins 1, le tout puissance K. Donc, c'est bien ça, la forme d'une suite géométrique. Ici, nous avons bien la somme des K0 plus 1, premier terme d'une suite géométrique, de premier terme 1. Donc, le premier terme, c'est en fait en remplaçant le K par 0, donc ça va donner 1. Et de raison, Z puissance moins 1. Et la formule de la somme des termes d'une suite géométrique est la suivante. Donc, de façon générale, Sn égale le premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Et ça va donner donc dans notre cas S de Z égale 1 qui est le premier terme fois 1 moins Z puissance moins 1 puissance K0 plus 1 sur 1 moins Z puissance moins 1. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'était en fait le calcul de la transformée en Z en utilisant une somme, c'est-à-dire la forme de la somme des termes d'une suite géométrique. Par contre, il y aura bien sûr dans d'autres vidéos, c'est-à-dire d'autres façons et d'autres approches pour le calcul de la transformée en Z d'un signal. Si vous avez bien sûr des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.